L'Ordre national des pharmaciens déplore le comportement de certains malades présentant quelques signes suspects qui n'hésitent pas à prendre les antibiotiques anti-Covid sans une prescription médicale. D'après Désiré Widzimana, président de cet ordre, en plus d'être néfaste pour la santé, cette automédication peut aussi fausser les résultats en cas de dépistage. L'Ordre national des pharmaciens soulève également une spéculation et une rupture de ces antibiotiques qui s'observent en cette période de la pandémie de la COVID-19. Et l'usage de ces produits, l'automédication, il faut bien le savoir, peut perturber ou fausser des résultats des analyses. Et si vous faites des analyses après avoir fait une automédication comme ça, donc vous allez à l'hôpital, vous faites des analyses, on vous déclare bien que voilà, une telle ou telle maladie n'est pas, on ne voit pas la maladie, alors que c'est une automédication qui a faussé, qui a fausser donc les résultats ou qui a caché les résultats. Donc, et là, c'est un mauvais départ pour le traitement qui suit. Imaginez-vous, on vous dit que vous n'avez pas de Covid parce que vous êtes automédiqué, vous avez pris des médicaments. Le président de l'Ordre national des pharmaciens rappelle à la population burundaise de toujours consulter un médecin avant de prendre tel médicament. Selon lui, il faut aussi des sensibilisations massives sur les méfaits de l'automédication. Chaque fois que vous rencontrez, vous avez des symptômes en rapport avec qui font penser à cette pandémie, et le test est gratuit. Il faut aller vous faire dépister directement. Il y a pas, on ne demande pas d'argent, on ne demande rien. Tant que c'est gratuit, s'il vous plaît, allez vous faire dépister et savoir votre état de santé par rapport donc, à cette pandémie. Que ce soit dans cette période de Covid, que ce soit dans d'autres cas, il faut chaque fois avoir un conseil, la population, un conseil, les amis, les familles proches, ceux qui nous viennent nous demander quels produits prendre. On leur conseille de, à chaque fois, s'adresser d'abord au prescripteur, au médecin, pour prendre des médicaments qui vous conviennent et qui conviennent à vos pathologies. Pour le président de l'Ordre national des pharmaciens, l'usage de l'azithromycine et la chloroquine n'est pas interdit aux personnes ayant d'autres pathologies comme les maladies chroniques. Mais avant l'utilisation, il faut examiner la santé du patient, avertit ce pharmacien.